Bonjour ou bonsoir tout le monde, ça dépend d'où vous vous trouvez en ce moment. Comme vous l'avez lu dans nos titres de cette émission aujourd'hui, les pays occidentaux condamnent l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Hein. Moscou a demandé des garanties de sécurité, surtout que l'Ukraine n'intègre pas l'OTAN. L'Union africaine avait condamné l'invasion russe et avait appelé à un cessez-le-feu immédiat, estimant que la situation risquait de dégénérer en un conflit planétaire. On l'a dit tout au long de cette semaine dans RM Show, cette invasion aussi, hein, rappelons-le ici, intervient au moment où beaucoup d'Africains lancent des appels d'aide à Moscou, qui étend d'ailleurs son influence en Afrique. Alors, avec nous aujourd'hui, comme on l'avait annoncé, Henri-Désiré Dzouzi, vous êtes producteur du GT diplomatique, contributeur, hein, à VOA, et consultant Mehdi 1 TV. Vous collaborez aussi avec Vox Africa à Paris. Alors, vous nous rejoignez de Kinshasa, Henri Désiré Dzouzi. La grande... Où vous vous trouvez en ce moment d'ailleurs? Merci d'abord pour cette disponibilité, hein, le temps que vous nous accordez en tout cas. Que pensez-vous d'abord, Henri, de l'invasion comment, russe en Russie? Alors évidemment, je condamne comme la plupart d'entre nous, je pense, cette invasion. Maintenant, pour comprendre les fondamentaux, ou en tout cas les ressorts de cette agression, il faut remonter bien évidemment à 2014, au moment de l'annexion de la Crimée, qui était en réalité le premier étage d'une fusée de plusieurs étages, ou alors la première étape d'une stratégie de reconquête par la Fédération de Russie de certains territoires qui, petit à petit, ont échappé à sa sphère d'influence. Alors, historiquement parlant, on se souvient qu'en 1989, il y a eu la chute du mur de Berlin. En 1991, il y a eu le démembrement de l'ex-URSS, la Union des républiques socialistes et soviétiques. Et vous avez la plupart des pays qui appartenaient à l'ancien pacte de Varsovie qui ont progressivement intégré l'organisation du traité Atlantique Nord, l'OTAN, et d'autres ont rejoint l'Union européenne. Et donc, depuis une trentaine d'années, la Russie se sent humiliée parce que sa zone d'influence se réduit comme peau de chagrin. Et donc, il lui est plus possible, en tout cas, de satelliser certains États pour garantir à la fois son hégémonie sur un certain territoire, mais surtout de pouvoir influer sur, j'allais dire, les aspects à la fois géopolitiques et stratégiques de la zone dans laquelle elle se situe. Et donc, l'Ukraine est un pays tampon entre cet Occident qui a réussi progressivement à faire entrer dans son giron les républiques baltes, qui sont des anciennes républiques socialistes et soviétiques, hein, la Lituanie, l'Estonie et la Slovénie. Et puis, vous avez bien évidemment des pays comme la Géorgie, qui en 2007 déjà avait fait l'objet d'une crise déjà avec la Russie. On a pu obtenir, j'allais dire, un compromis acceptable pour tous, mais c'est un pays qui vit encore sous la menace de la Russie, qui aujourd'hui a décidé de prendre les devants. Parce que, évidemment, on le sait, l'Ukraine souhaite intégrer à la fois l'OTAN et l'Union européenne, mais ce sont surtout les perspectives de voir ce pays intégrer l'OTAN qui ont fait agir Vladimir Poutine, qui considérait inacceptable d'avoir un pays membre de l'OTAN ayant une frontière terrestre avec la Russie. Paradoxalement, c'est déjà le cas des pays baltes qui sont membres de l'Alliance Atlantique, mais peut-être que pour des raisons stratégiques, la Russie considère que ces trois pays baltes ne constituent pas une menace. Mais par contre, l'Ukraine, par à la fois sa position géopolitique et stratégique, le fait que le gaz qui est consommé en grande partie en Europe transite par ce territoire, il fallait que la Russie puisse reprendre la main dessus de manière à reconstituer progressivement sa zone d'influence qu'elle a perdue durant toutes ces années où la plupart des pays appartenant à l'ancien bloc soviétique ont intégré progressivement soit l'OTAN, soit l'organisation du traité Atlantique Nord. Merci Henri. Alors,
C'est un sujet qu'on débat, on a débattu toute la semaine. Hein. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est la fin de. On conclut avec ce sujet-là. Alors, beaucoup se sont posés la question de savoir, Henri Désiré Ndouzi, pourquoi la diplomatie a-t-elle échoué complètement? Alors, c'est un peu compliqué parce qu'il faut savoir que les Russes, comme d'autres pays, mais en d'autres temps, ont toujours été partisans d'une stratégie qui consiste à, j'allais dire, négocier tout en menaçant, ce qu'on appelle en fait « fight and talk ». Vous maintenez une pression militaire, une pression psychologique, une pression faite d'intimidation pendant que vous donnez l'impression que vous êtes sur le point de passer à l'acte. En fait, Vladimir Poutine a toujours eu l'intention de passer à l'acte. Simplement, il a testé la détermination du bloc occidental, et partant de là, bien évidemment, de l'OTAN, pour voir jusqu'où ils iraient s'ils devaient franchir le pas. Il a multiplié les provocations et n'ayant pas vu de réaction en retour, il s'est probablement senti dans son bon droit en agissant comme il l'a fait. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on l'a vu, l'OTAN n'envisage pas le moins du monde d'intervenir en Ukraine parce que, bien évidemment, sa charte constitutive le lui interdit. L'OTAN ne peut pas intervenir dans un pays qui n'est pas membre de l'Alliance, mais pourtant, dans un passé plus ou moins récent, on a vu des pays comme l'Afghanistan, l'OTAN est intervenu au Kosovo, même si c'est vrai, c'était sous mandat onusien, mais tout de même, il y a là, dans, j'allais dire, dans le chef de l'opinion publique ukrainienne, un sentiment de deux poids, deux mesures, puisque effectivement, l'OTAN préfère aujourd'hui sécuriser le flanc oriental de son alliance et plutôt, à titre individuel, laisser les pays membres aider le pays, donc l'Ukraine, à pouvoir affronter la Russie avec notamment des livraisons d'armes. Mais aujourd'hui, ce qui est important de savoir et de retenir, c'est que la Russie a bien l'intention, comme elle l'a fait ces dernières années, de reconstituer, j'allais dire, sa zone d'influence avec des pays qui lui ont fait allégeance. Vous prenez la Biélorussie, par exemple, qui aujourd'hui est quasiment considérée comme un pays belligérant dans cette crise, puisque vous avez une partie des troupes russes qui ont pénétré sur le territoire ukrainien à partir de la Biélorussie. Et puis, vous avez d'autres pays qui, eux, pour des raisons de commodité, pour ne pas, j'allais dire, mais enfin, pour ne pas en tout cas s'attirer l'ire du grand frère russe, préfère, j'allais dire, composer de manière beaucoup plus consensuelle avec une Russie dominatrice qui, comme je l'ai dit, n'a qu'une seule ambition, être en capacité de stopper l'avancée de l'OTAN dans certains pays, puisque aujourd'hui, on le voit, la Bosnie-Herzégovine. Alors Henri, il y a certains qui sont en train de commenter aussi, ils posent cette question, ils demandent, mais que craint la Russie? Vous pensez que la Russie craint quelque chose quand la Russie regarde l'Ukraine aujourd'hui? Alors, un peu d'histoire si vous le permettez. En 1962, il y a eu la crise des missiles de Cuba. Cette crise a éclaté parce que Cuba, étant située à 200 km des côtes américaines, a vu progressivement une partie de son territoire investi par l'URSS de l'époque, grâce évidemment à un accord de coopération militaire, pour l'installation de missiles à 200 km des côtes américaines. Je ne vous parle même pas de frontières terrestres. Alors, les États-Unis, bien évidemment, ont réagi avec la plus forte détermination. Ils ont mobilisé toute leur flotte, ils ont encerclé Cuba. La flotte russe, soviétique pardon, de l'époque, a bien évidemment convergé dans la zone et on a frôlé de peu la Troisième Guerre mondiale. Ce qui a permis de décanter la situation, c'était d'une part l'engagement des soviétiques à l'époque de démanteler cette base de missiles qui était installée sur Cuba et les Américains se sont engagés à ne pas déployer de missiles sur le territoire turc. Il faut rappeler que la Turquie est membre de l'OTAN depuis 1952 et donc c'est un vieil allié. Il n'était pas question donc qu'il y ait de part et d'autre une volonté de menacer l'un ou l'autre. On est là en pleine dissuasion. Alors vous imaginez à présent,
En 2022, l'Ukraine, qui a une frontière de près de 2000 km avec la Russie, intégrée l'OTAN, c'est une menace potentielle du point de vue de Moscou parce que effectivement, il n'y aura plus, j'allais dire, de pays satellites qui puissent être en capacité de protéger la Russie. Je vous rappelle que une des raisons pour lesquelles la Finlande n'est pas membre de l'OTAN, n'est toujours pas membre de l'OTAN, c'est parce que au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, cette expression de finlandisation est devenue à la mode pour désigner un pays qui n'avait pas le choix, qui n'avait pas le droit de se choisir des alliés ou des partenaires dès lors que ce choix menaçait directement la sécurité d'un autre pays, en l'occurrence l'URSS de l'époque, qui ne pouvait pas accepter qu'à sa frontière terrestre immédiate, il y ait un pays membre de l'OTAN, ce qui signifie pour l'Alliance Atlantique la possibilité non seulement d'y déployer des troupes, mais surtout d'y installer une base, ce qui les mettrait à portée de tir de la Russie d'aujourd'hui. Donc, même cause, mêmes effets, l'Ukraine a cette longue frontière. Pour les Russes, c'est la ligne jaune à ne pas franchir. Et d'ailleurs, une des raisons pour lesquelles la Crimée a été annexée en 2014, c'était pour pouvoir récupérer, grappiller des territoires qui permettraient à la Russie à pouvoir se prémunir contre tout risque de ce type. Et aujourd'hui, on le voit, la Russie est passée à l'acte. Aujourd'hui, on le voit, passée à l'acte. Pensez-vous, en parlant de cet acte-là, pensez-vous que ce conflit, Henri-Désiré Ndjousi, pourrait déborder des frontières de l'Ukraine aujourd'hui? Alors, on n'en est pas là, parce que, comme vous le savez, des pourparlers, je n'ose pas dire des négociations, disons que des pourparlers ont commencé il y a de cela quelques jours. Dans un premier temps, c'était à la frontière avec la Biélorussie. Maintenant, on sait que c'est à la frontière avec la Pologne. Je pense qu'il y a de part et d'autre une volonté de parvenir à un compromis. En tout cas, pour ce qui est de la Russie, je pense que Vladimir Poutine ne s'attendait pas à ce qu'il y ait une aussi forte résistance sur le terrain. On voit très bien que, contrairement à ce qu'affirmaient beaucoup de spécialistes, Kiev n'est pas tombé en moins de 48 heures, parce que c'était les prévisions, j'allais dire, les plus optimistes. Aujourd'hui, nous sommes à une semaine déjà, ça fait une semaine, hein, 8 jours d'ailleurs, de conflit. Kiev n'est toujours pas tombé. Il y a quelques villes comme Kharkiv, je pense, qui est déjà tombé, mais la progression ne se fait pas au rythme que Poutine aurait souhaité. C'est un premier élément. Deuxièmement, il y a une résistance beaucoup plus importante que prévue sur le terrain, de la part notamment des troupes ukrainiennes. Et puis, il y a bien évidemment un fort soutien populaire vis-à-vis du président Zelensky, qui, il faut bien le dire, a un travail formidable, refusant de démissionner, d'un point de vue en tout cas institutionnel, puisqu'il est en première ligne dans cette affaire. Et puis vous avez aussi, je pense, de la part de l'OTAN, une volonté non plus de ne pas envenimer la situation, parce que lors de la réunion qui s'est tenue aujourd'hui, il n'était pas question de pouvoir créer une zone d'exclusion aérienne, ce qui aurait eu pour effet non seulement de faire de l'OTAN un belligérant, mais cela aurait pu, j'allais dire, précipiter une escalade que personne ne souhaite, on le comprend à ce stade-ci. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de pouvoir faire en sorte que, et c'est le sens même de la condamnation qui a eu lieu il y a de cela quelques jours lors de cette assemblée extraordinaire des Nations Unies, la toute première, en tout cas la 11e chronologiquement depuis 1952, c'est important de le préciser, c'est très rare que l'Assemblée Générale se réunisse en session extraordinaire, ça s'est fait, et on voit très bien que il y a une forte volonté de la communauté internationale pour que ce conflit reste circonscrit à l'Ukraine en attendant que l'on puisse trouver une solution, mais il est évident que de part et d'autre, il y a, des points qui sont non négociables. Par exemple, l'OTAN s'oppose à une démilitarisation des anciens pays du bloc, du pacte de Varsovie qui ont intégré l'OTAN. On pense évidemment à la Tchéquie, on pense à la Pologne, on pense à la Hongrie. Ça, bien évidemment, c'est non négociable. Et puis, il y a aussi le fait que, du point de vue
russe, il n'est pas question, bien évidemment, que l'Ukraine puisse, de manière totalement souveraine, intégrer l'OTAN, puisque cela menacerait ses intérêts les plus vitaux. Mmh. Et j'aurais une question pour la fin, mais nous avons tous vu, hein, sûrement vous aussi, que les étudiants africains qui étaient là-bas, parlons un peu de ces étudiants qui tentent de fuir l'Ukraine livrée hein, au bombardement russe. Mais pour ces étudiants africains, comme on a vu tous, la terre promise est de loin d'être gagnée d'avance. Parce qu'ils sont bloqués aux frontières, ils disent qu'ils sont empêchés de monter à bord des trains quittant ce pays. Beaucoup d'entre eux, d'ailleurs, ont dénoncé, Henri, je ne vous apprends rien, des paroles racistes. Quelles leçons, c'est la question que je pose, doivent en tirer les Africains dans cette affaire, Henri ? Bon, d'abord, je pense que personne n'a vu venir ce qui s'est passé. Certes, la Crimée a été annexée en 2014, mais personne ne se doutait que la Russie irait aussi loin en envahissant l'Ukraine. Alors, avant de répondre à votre question, il faut quand même rappeler que l'Ukraine a toujours été attractive d'un point de vue académique et universitaire. C'est un pays qui a un excellent niveau d'éducation. Le diplôme ukrainien est un diplôme qui est plutôt apprécié. Les infrastructures, notamment, sont en très très bon état. Et depuis déjà l'époque communiste, beaucoup de pays africains envoyaient des boursiers là-bas. Ici, on est dans une situation exceptionnelle, donc les comportements deviennent aussi, j'allais dire, différents, et c'est vrai que cela peut réveiller certaines, j'allais dire, aversions, certaines haines, enfouies probablement pour des raisons de paix civile, où on a effectivement des relents racistes qui remontent à la surface, mais les étudiants africains, dans leur grande majorité, qui vivent en Ukraine, vivent en bonne intelligence avec les Ukrainiens. Il n'y a jamais eu, à notre connaissance, de traque contre les étudiants africains, comme ça a été le cas en Chine ou en Inde, par exemple. Mais ici, dans une logique de survie où les gens ne pensent qu'à une seule chose, sauver leur peau, il est évident que l'on oublie assez rapidement certains principes de tolérance qui laissent très vite le pas à des actes de ce type que vous venez de décrire. Alors, je ne veux pas tirer de conclusion hâtive en disant que ça ne vaut pas la peine d'envoyer nos fils, nos filles dans ces pays. Le pays est aujourd'hui en situation de guerre. Cela a probablement réouvert certaines plaies, certaines frustrations. Et c'est vrai que d'un point de vue humain, le traitement qui a été infligé à ces étudiants est inacceptable. On aurait pu espérer effectivement de la part des autorités ukrainiennes des mesures très particulières, mais à l'inverse, il faut quand même aussi noter qu'il y a eu de la part d'une partie de la population des élans de solidarité à l'égard de ces étudiants africains, pas tous, mais ceux qui ont voulu partir par leurs propres moyens, parfois sans l'aide même de leur consulat, de leurs ambassades, où on ne peut pas dire vraiment que là aussi les pays africains aient été en capacité de prendre leurs responsabilités pour organiser au besoin le rapatriement de leurs étudiants, ils se sont retrouvés entre deux feux, j'allais dire même trois feux. La menace, évidemment, de se retrouver devant des troupes russes. Ensuite, une forme d'abandon de la part des autorités ukrainiennes. Et puis, une totale ignorance de la part de certains pays d'origine qui n'ont absolument rien fait pour d'abord les sécuriser et les rapatrier. Oui, en parlant de ces pays, Henri, je voulais juste bondir là-dessus parce qu'on a vu certains pays également, Nigeria et d'autres pays, qui se sont vraiment débrouillés pour aller chercher leurs ressortissants. Mais votre pays, la RDC, où vous vous trouvez en ce moment, est-ce qu'il y a quelque chose qui se prépare pour ces étudiants ? J'ai vu des étudiants congolais qui se plaignaient, qui n'ont encore rien appris ou rien entendu de leur gouvernement. Avez-vous eu une information du gouvernement congolais qui essaye d'aller aider ces étudiants ? À ce stade-ci, je dois vous dire honnêtement que je n'ai absolument aucune information dans ce sens, mais si l'on devait, évoquer les précédents,
il y a eu effectivement une réponse qui n'a pas toujours été, j'allais dire, rapide de la part des autorités congolaises, mais il faut se souvenir que lorsque la pandémie de la COVID-19 a commencé à faire des ravages, il y a quand même eu un rapatriement de Congolais qui étaient bloqués aux Émirats Arabes Unis et plus précisément à Dubaï. Cela s'est fait, peut-être pas au rythme que l'on aurait souhaité, mais le gouvernement congolais a fini par prendre ses responsabilités. Je pense qu'il y a probablement des mécanismes qui sont à l'heure actuelle mis en place, qui ne sont pas forcément mis, sur la place publique, hein, parce que parfois il vaut mieux organiser les choses de manière discrète, mais je pense qu'il y a une volonté du gouvernement congolais de faire en sorte que ceux qui sont restés bloqués en Ukraine puissent revenir dans les meilleures conditions, à défaut de revenir au pays, mais en tout cas qu'ils puissent être éventuellement envoyés dans d'autres pays. On espère vraiment parce que ces étudiants nous appellent, nous écrivent et se plaignent vraiment. On espère pour. Alors, à quoi, Henri, si on chute avec cette question, à quoi doit-on s'attendre pour la suite de cette affaire, d'après vous? Alors, ça va dépendre de pas mal de paramètres. À l'heure actuelle, la seule réponse des Occidentaux vis-à-vis de l'agression russe sur le territoire ukrainien, ce sont les sanctions. Des sanctions qui sont de plus en plus dures. D'ailleurs, la plus symbolique d'entre elles, c'est bien évidemment la déconnexion de la Russie du système SWIFT, qui peut faire énormément de ravages, même si l'on sait que techniquement, la Russie est en capacité de pouvoir basculer sur un système alternatif. Mais enfin, ça fera quand même pas mal de dégâts. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, on sait que l'Allemagne, par exemple, a décidé d'interrompre le tracé du fameux gazoduc Nord Stream 2. L'Allemagne est le seul pays d'Europe, en tout cas celui dont la dépendance vis-à-vis du gaz russe est la plus importante. 40% pratiquement du gaz utilisé en Allemagne vient de Russie. En faisant ce geste-là, l'Allemagne, évidemment, prend un risque politique, mais essaye de prendre date avec l'histoire en se positionnant comme étant un des pays les plus résolument opposés à cette aventure russe en Ukraine et en envisageant d'autres alternatives. Il faut savoir que sur le moyen terme, la population russe pourrait en pâtir parce que vous le savez, Vladimir Poutine est connu pour avoir instauré ce que l'on appelle communément la démocratie dirigée, c'est-à-dire que vous avez la liberté de voyager, vous avez la liberté d'entreprendre dans votre pays, mais vous ne vous occupez pas de politique. Et donc, ce deal pourrait effectivement être remis en cause si une grande partie de la classe moyenne russe, par exemple, voyait son pouvoir d'achat chuter. On sait déjà que la monnaie nationale a chuté de 30%. Cette baisse de pouvoir d'achat, parallèlement à une inflation importante et à une hausse des prix de première nécessité, pourrait effectivement entraîner une montée du mécontentement au niveau de la Russie, ce dont, je pense, Poutine aimerait bien faire l'économie. Mais bon, n'allons pas vite en besogne, mais il y a quand même des signaux importants. Un autre élément qui est quand même très important, c'est que ce qui est important aujourd'hui, c'est que l'Ukraine puisse retrouver son intégrité territoriale. Je rappelle que c'est un pays souverain qui a le droit de tisser des alliances avec des partenaires de son choix, mais dès lors que ces choix portent préjudice ou portent atteinte aux intérêts vitaux d'un pays voisin, en l'occurrence la Russie, là ça devient un problème, j'allais dire, international. Toute la question c'est de savoir si Poutine acceptera de sortir par le haut et quel est le statut qui pourrait être donné à l'Ukraine pour satisfaire toutes les parties. Je rappelle que dans les négociations, vous avez soit le compromis, soit le consensus, ou alors la concession. Dans la concession, vous renoncez chacun à des choses auxquelles vous tenez. Dans le compromis, on essaye effectivement de voir les points de convergence, ce qui est aussi le cas pour le consensus. Mais aujourd'hui, on voit très bien que du côté ukrainien, il y a une ferme volonté d'intégrer l'Union européenne, même si
techniquement, ce sera compliqué avant un certain temps. Je rappelle que la Turquie a essayé depuis 1987, on attend toujours. Et donc, même dans l'hypothèse d'une procédure accélérée, là, pour l'instant, ce sera plutôt un statut intermédiaire. Est-ce que ce statut intermédiaire suffira à rassurer les Ukrainiens? On n'en sait rien. Est-ce que cela va calmer les ardeurs de la Russie, qui est peut-être en train d'anticiper sur le prochain coup? On le verra. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut impérativement empêcher Kiev de tomber, parce que pour le coup, ce sera le siège des institutions qui tombera, et au niveau de la symbolique, cela signifiera que la Russie aura pris le contrôle politique, institutionnel et économique de l'Ukraine. Donc c'est une perspective contre laquelle la communauté internationale essaie de se battre. Poutine sera extrêmement difficile à satisfaire. Il a réussi à marquer un point dans le sens où il a la main, c'est-à-dire que un mot de sa part suffit à, j'allais dire, stopper ce qui se passe à l'heure actuelle, mais il ne le fera pas parce qu'il veut maintenir une pression maximale pour rester en permanence en position de force dans les négociations. Henri Désiré Nzouzi, merci. Hein. Je rappelle que vous êtes producteur du GT Diplomatique, contributeur à VOA et consultant Media One TV. Vous collaborez aussi, comme je le disais en titre, avec Vox Africa à Paris. Merci infiniment. Bonne soirée à vous, hein, là où vous vous trouvez à Kinshasa. Hein. Et merci encore pour le temps que vous nous avez accordé. Merci Roger, à très bientôt. À très bientôt, super.